Bonjour à tout le monde, c'est moi Guilmas. En tout cas, bossez pela, soyez dans la gaieté, amusez-vous, c'est l'été, faites tout ce que vous voulez, soyez protégés puisque l'air n'est pas encore clair. Si vous avez besoin de masques, ayez vos masques et amusez-vous, j'ai besoin de vous voir demain. Alors, le message ici est à Nicki Minaj, sérieusement à Nicki Minaj et aux vrais fans de Nicki Minaj, aux vrais supporters de Nicki Minaj, aux gens qui ont la même vision, même plan, même projet avec Nicki Minaj. Je dis toujours bonjour à tous ceux qui se sont donné le temps de partager toutes mes vidéos, d'aimer mes vidéos et de commenter mes vidéos. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Je ne sais comment vous remercier, mais Dieu seul sait. Les gens qui parlent de Nicki Minaj sur les réseaux sociaux, Nicki Minaj notre sœur, Nicki Minaj Barcelone, les gens qui parlent à ton nom sur les réseaux sociaux, ce sont ces gens-là qui vont vous insulter un jour. Prenez la date d'aujourd'hui. Les dames-là qui sont autour de ton nom, la team Nicki. Et d'autres disent qu'ils ne sont plus Team Nikki, ils sont seulement je suis Nikki. Toutes ces dames-là qui cherchent des visibilités sur les réseaux sociaux, à ton nom, ils vont t'insulter un jour. Prenez la date d'aujourd'hui. Combien de fois Nicki Minaj a interdit aux gens d'insulter pour l'amour de ses enfants? Please, n'insultez pas. Dites tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, n'insultez pas. Mais les gens, c'est comme si Nicki Minaj a mis de l'huile sur le feu. Il a mis de l'huile sur le charbon. Maintenant, ça devient automatique. Ça devient maintenant comme je vous salue Marie. Ça devient comme prière de je vous salue Marie. Insulter quelqu'un, ça devient une chose vraiment de simplicité, de simple. Alors, ceux qui insultent une autre femme, demain, ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter, Nicki Minaj. Tous ces gens-là, ils vont t'insulter. Qui t'a protégé? Qui a parlé de toi comme Sarah Tola? Aujourd'hui, elle est où? Elle commence à t'insulter. Madeleine, elle va t'insulter. NK, elle va t'insulter. Prenez la date d'aujourd'hui. Même tous les armes rouges, ils vont t'insulter. Tous ces gens-là cherchent de visibilité. Je n'ai pas besoin de que quelqu'un m'appelle. Que ce soit Sarah, que ce soit Arme Lourd, Enka, tout ça, madame. Je n'ai pas besoin de vos appels. Moi, je dis la vérité. Vous tous, vous êtes ici sur les réseaux sociaux pour de l'argent. Si vous n'étiez pas là sur l'argent, vous ne serez pas en train de citer les gens. Pour montrer que vous êtes même capable, à cause d'argent, vous êtes capable d'insulter Nicki Minaj. C'est l'argent qui vous fait marcher, marcher de gauche à droite, parler de Nicki. Aujourd'hui, Sarah est corrompue. On l'a interdit de parler de Nicki. Elle est obligée d'arrêter ça. On l'a forcée. C'est pour cela que moi, je comprends Sarah. Elle est dans une situation que tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne comprend pas. Si elle a bouleversé les données, c'est parce qu'elle est dans les problèmes. Elle veut se laver les problèmes. Elle veut se laver les mains. Aujourd'hui, là, ça va être une autre personne. Ils vont inciter Nicki. Alors, j'aimerais que les gens qui aiment Nicki, les fans de Nicki, soient des femmes qui sont constantes dans leurs affaires, constantes dans leurs paroles, constantes dans leurs dires. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Vous êtes né pour insulter ou quoi? Vous êtes né pour injurier les gens. Il y a les gens insultés sont là. Les gens insultés sont vraiment exposés. Vous n'êtes pas capable d'insulter les Mida. Vous n'êtes pas capable d'insulter Mida. À insulter les femmes là de demain. Vous n'êtes pas capable. De Karine Mokoz, vous êtes incapable. C'est entre vous que vous insultez. Comme vous avez perdu des repères, vous ne comprenez même plus ce qu'il faut faire dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un vous amène aujourd'hui une petite chose, vous êtes capable d'insulter même vos mamans.
Vous êtes capable d'insulter vos parents à cause de l'argent. Aujourd'hui, je ne serais pas étonné si j'écoutais un de vous en train d'insulter Nicky Menga. Puisque c'est de l'argent que vous cherchez. Alors prenez garde. L'argent a vendu Jésus. À cause de l'argent, Jésus est mort. Mais Judas Iscariot n'est pas parti avec l'argent au ciel. Il est mort, il a laissé l'argent. Alors, l'argent que vous cherchez là, ça risque de vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Il y a le sang qu'on ne joue pas avec. Tout le monde a un sang, mais il y a le sang cuit au village. Il y a un sang qui ne sent pas bon. Il y a le sang qui n'a pas du sel. C'est ça le sang de Nicky. Le sang de Nicky n'a pas du sel. Si tu blagues avec Nicky, tu vas finir très mal. Aujourd'hui, vous voyez Sarah Tolle va finir mal. Je vais vous mettre les audios de Sarah Tolle, ce qui va la faire du mal. Il va finir mal parce qu'il a touché au sang qui a été cuit au village. Il a touché au sang qui est traité. Ce n'est pas un sang n'importe qui. Même la moustique, quand ça pique, Nicky Menga, la moustique, ça pique. Ça sent que le sang de Nicky Menga est couvert par les noms de Jésus. La femme là, elle n'est pas la femme à blaguer avec. Quelqu'un qui a su garder silence pendant 17 ans, qui peut faire ça ici? Qui peut faire ça parmi vous qui parlez beaucoup sur les réseaux sociaux? Même la moustique a peur de piquer Nicky Menga. Parce que c'est le sang de Nicky Menga, ce n'est pas le sang de n'importe qui. Pourquoi aujourd'hui Fally a même peur de Fally et de Nicky Menga? Et il sait pourquoi. Mais vous, les petits-petits, là, vous êtes venus de nulle part, sortis de nulle part. Vous ne comprenez même pas les enjeux qui sont là. Les gens d'Allemagne, des vraies dames de Zurich. Il y a des mamans comme haute gamme d'un niveau Zurich. La Suisse, ils comprennent la situation. Bino Bozo comprendre. Vous ne comprenez rien. Marie-Louise Bolumbu, na Belgique, la dame là, c'est une dame sage. Elle comprend les enjeux qui se passent aujourd'hui comme ça là. Marie-Louise Bolumbu, Balinga Kiba Sakana. Moi là, je n'ai jamais vu Nicky, je le répète, je ne la connais pas. Mais la façon dont elle se comporte, la façon dont elle a géré les problèmes ici, la dame là, c'est une Yakuza. C'est une Yakuza. Je me rappelle directement de Dadi Yakuza, moi na poto Yakala. C'est une dame que vous devez regarder à distance. Il faut avoir de la sagesse avant de piquer la dame là. Je vous dis, vous là, qui vous êtes venu de n'importe où, de nulle part, pour chercher de visibilité au nom de Nicky Menga, c'est bien. Mais soyez reconnaissantes, vous les dames, soyez reconnaissantes. Un jour, la vidéo ici va vous rattraper. Comme elle a déjà, la vidéo aussi a rattrapé déjà l'autre là. La vidéo aussi a rattrapé Sarah Tolle. Et la vidéo aussi va, une autre vidéo va vous rattraper. Parce que la vérité sera toujours là. Vous aviez mal compris la réalité. Pardon. La personne à qui vous adressez, elle n'est pas une petite fille. C'est une fille qui a un don que moi-même je ne comprends pas. Alors vous qui passez sur les réseaux sociaux, parlez d'elle bien là. Demain, si vous passez parler d'elle bêtement, je serai là pour vous. Bêtement, je serai là pour vous. Mais Nicky Menga, ces gens-là vont t'insulter. Gardez-la aujourd'hui. Si tu ne passes pas à la télé, fais tes propres émissions. Et les gens là vont t'inciter. Passe à la télé, fais tes émissions et tout ceci va disparaître. Tous ces insultes là seront sans effet, seront nuls, ça va disparaître. C'est à toi de montrer ta capacité. Tu parles bien,
tu t'exprimes bien, tu appelles de quoi, tu es une belle femme, tu as ta complice, tu as, je peux dire tes complices, tes deux filles là. Il y a une qui est sur YouTube déjà, elle fait des belles vidéos. Elle est déjà connue. Elle pourra t'aider à faire tes propres vidéos. Je te jure, Niki Menga, si tu fais des vidéos, tu auras des visibilités. Tu vas aider les gens avec tes histoires. Tu vas aider beaucoup, beaucoup de femmes vulnérables. Mais faut, les chats ici, les inutiles ici, il faut prévenir que guérir. Si vous faites des vidéos maintenant là, ils auront des difficultés à vous insulter. Les gens vont critiquer vos analyses, vont parler, vont dire parce que vous n'êtes pas la seule. Les gens seront toujours là pour analyser des choses. Les gens seront là pour insulter, pour critiquer. Mais cela ne vous décourage pas puisque vous n'êtes pas né pour plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas né pour plaire à tout le monde. Même nous ici, là, on nous incite. Le français n'est pas beau. Lingala n'est pas beau. Swahili n'est pas bon. Anglais n'est pas bon. Tout ce qu'on fait, on dit que ce n'est pas bon. Mais si on le fait pour plaire à ces gens-là, on ne serait même plus ici en train de parler de toi. Mais c'est parce qu'il y a toujours des objectifs, il y a des visions, il y a des plans, il y a des projets. C'est pour cela qu'on est là. Qu'on incite, qu'on t'incite ou pas. Fais tes vidéos. Inspire les gens. Inspire les gens avec tes histoires. Ça va faire du bien. Niki Menga, on est là pour te supporter. On est là. Tu as peur de quoi? Tu es quelqu'un de poteau. Les petits, si vous venez de nulle part, commencez à t'inciter. Même des mères aussi, commencez à t'inciter. Si vous passez au créneau, laissez-moi vous voir aujourd'hui là. Si vous passez au créneau, vous faites vos histoires, vous parlez de votre vie, selon vous, puisque c'est vous qui aviez vécu votre propre vie, ce n'est pas NK, ce n'est pas Sarah qui connaît votre vie, vous connaissez votre vie mieux que tout le monde. Alors, dès que vous faites votre vie, vous parlez de votre vie, vous allez inspirer beaucoup de gens, surtout avec les événements que vous avez vécu après votre mariage, pendant le mariage, durant le mariage et après votre mariage. Ces trois, il y a avant, durant et post, après. Ça va faire des boum et du tao tao. Ça sera les tokos 3. Ça sera les tokos 3. Alors, je vous prie, chers amis, à bien vouloir recevoir, bien vouloir reçu. Dans ce français, c'est dire bien vouloir aussi les messages ici, partager, abonnez-vous, commentez, aimez la vidéo si vous l'aimez. En tout cas, je suis là, les tontons qui aiment les enfants. Je suis le grand frère de Serette. Je suis le petit frère de grande sœur. Je suis là pour vous. Je vous aime trop. Quelle que soit la durée de la nuit, les soirées finiront par apparaître. Pour apparaître, il faut que Niki vienne à la télé. Parle-nous de ta vie. Inspire-nous de ta vie passée, ta vie présente et les projets de l'association Niki Menga. Je suis le tonton et je vous remercie. Si je vous ai fait du tort, mes excuses, mais en tout cas, je sais qu'il y a des bonnes oreilles qui ont écouté et ça me fait du bien aussi. Alors, bye.